pour Nougat Artistique, en partenariat avec Direct Soirée. Bienvenue sur Nougat TV. Nous sommes aujourd'hui en direct de Cajar, dans le Lot, pour le festival Africajar 2012. Tout à l'heure aura lieu le concert d'Amadou et Mariam sur la grande scène juste derrière moi. Ensuite, Fatoumata Diawara, la star malienne qui est en train de monter, et ainsi que Anitra, la star malgache. Je vous invite bien entendu à découvrir ces différents artistes via le concert que nous allons vous présenter sur nougattv.com. Cajar, c'est aussi les marchés africains avec toutes ces couleurs, tous ces boubous, tous ces tambours et percussions. C'est aussi les sonorités musicales dans toute la ville et des danseurs qui font le régal des passants. Nous sommes avec Razak, artisan, vendeur et comment on appelle ça un bon vivant finalement, quelqu'un qui va où le vent le porte. Bonjour Razak. Bonjour. Tu viens du Togo, hein, je crois? Je viens du Togo, je suis togolais. Togolais d'origine. Et ça fait combien d'années que tu fais des marchés comme ceci? Depuis 2005. Mais au pays, j'étais déjà artisan et j'avais quelques commerces aussi. En plus, tu as juste les tambours. Est-ce que c'est toi qui les fabriques aussi? Voilà. Les tambours, je fais venir les flûtes depuis au pays et je monte la peau dessus. Magnifique. Même les décorations tout autour? Tout. Un artiste complet alors? Oui, pourquoi pas, oui. Alors, je vois que ton stand est assez riche de pagnes. Tu travailles avec plusieurs artisans au Togo ou... Une bonne question, parce que vous avez mon propre frère. Si vous allez sur le site internet refraidafrique.com, vous avez mon propre frère, Mempe Meme, qui fabrique les œuvres plus les artisans du Togo. Excellent. Razak, est-ce que vous faites que les festivals ou alors aussi des marchés partout en France? Je travaille sur la Foire de Paris, j'ai travaillé un peu partout, même au-delà de la France. Tout ça, on veut savoir. Pour l'instant, je ne vais pas le dire parce que je garde ce coin pour moi. Il ne faudrait pas qu'on y aille alors, si je comprends bien. En tout cas, on sera intéressé peut-être d'aller découvrir le Togo et ses artistes qui font des œuvres incroyables quand même. Et bravo, un grand bravo. Et si quelqu'un veut vous contacter pour commander un de vos objets et qu'il ne peut pas se déplacer physiquement, où est-ce qu'il peut vous contacter? Ben, il peut aller directement sur mon site refraidafrique.com, reflet sans S. Et voici mon numéro 06 03 46 73 93. Merci beaucoup. Et d'ici quelques temps, ils auront toutes mes œuvres que je vais commencer à faire, ce qui veut dire la maroquinerie et le cordonnerie, plus le sculpture sur mon site. Excellent, une vraie boutique en ligne alors. Tout à fait. Merci beaucoup Razak et puis bonne continuation. C'est moi qui vous remercie, passez une très bonne après-midi. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qui est rapidement proposé aux gens au Mayombe? Ce qui est proposé aux gens, c'est dire qu'on fait l'Afrique, cuisine africaine. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'elle est multiple et une en même temps? Hein, déjà, moi, comme je disais, j'avais quatre mamans, mais chaque maman faisait sa cuisine différemment. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je prétends faire la cuisine africaine, mais laquelle ? La bonne ou la mauvaise ?» J'essaie de faire la cuisine africaine dans mon essence, dans ce que je ressens, et tout en étant multiple. Je fais la cuisine, par exemple, sénégalaise, la cuisine congolaise,
c'est de la savane et c'est de la forêt pour opposer les deux. Et puis aussi je fais la cuisine afro-antillaise. Et bien avant il y a eu quand même d'autres personnes, il y a eu d'autres précurseurs, il y a eu d'autres pionniers. Aujourd'hui, ben, effectivement, avec l'âge faisant, je deviens le restaurant le plus ancien de Toulouse, et même de la région en fait. Tout à fait, parce que ça fait combien d'années en tout à peu près ? Ben, de 85 aujourd'hui, aidez-moi, ça fait quand même 27 ans. 27 ans aujourd'hui que je suis derrière mes marmites, pour ne pas dire derrière mes fagots. Et on se retrouve ici à Africa Jar. Est-ce que vous faites pas mal d'événements de ce type ou alors Africa Jar est une référence tout simplement ? Oui, en tant que restaurateur africain, Africa Jar reste quand même une référence. C'est vraiment le festival référent aujourd'hui dans la région, pour ne pas dire en Europe ou nous en France, oui. Hein. Il y a toutes les matières grises africaines, toutes les têtes grises, ils sont là. Et nous, quand on se retrouve là, on se sent tout petit en face de tous ces gars qui sont polyglottes et multiculturels et multiethniques. Vous êtes un artiste aussi quand même, parce qu'avec vos casseroles, vous arrivez à nous créer des délices incroyables. Artiste, non. À force, on le devient. Mais qui est artiste, au fait ? Chacun de nous, dans ce qu'on fait, on est artiste, comme disait Martin Luther King. En tant que black, où que tu sois, sois le meilleur. Même si tu es le meilleur, disons, même si tu es balayeur de rue, il faut que tu sois le meilleur parce que ben, ça permettra d'ouvrir les portes aux autres. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens disent, ben, tiens, je travaille avec Mamadou, ben, celui-là, c'est Diop qui arrive, il n'est pas mal, on peut le recruter. Parce que nous sommes en face de préjugés et ces préjugés-là, parfois, ils sont tenaces. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabi. Okay. Et puis, on va se délecter de... votre naturel. Et ce naturel-là, ça fait le bien à l'Afrique. Parfois aussi, ça ne nous rend pas service, mais c'est bien d'être naturel. Merci beaucoup. Okay, merci. À très bientôt. Okay. Nous allons tout de suite assister à un concert de l'artiste burkinabé Sembadou sur la petite scène tout au long du rivage. On se croirait vraiment au fleuve Sénégal. À tout de suite, les pieds dans l'eau. Nous sommes avec Fatoumata Diawara. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est votre première fois à Africa Jar ? Oui, c'est ma toute première. Et combien de festivals avez-vous déjà essayé depuis que vous faites du solo vous-même ? Aïe, aïe, aïe. 200, 300, 400. Une rodée de scène. C'est vrai que vous étiez choriste pour pas mal d'artistes africains ou J'ai fait les chœurs que pour deux personnes. Oui. Oumou Sangaré et Cheikh Tidiane Seck, qui sont mes mentors. D'accord. Et quand Cheikh m'a entendu pour la première fois avec mon projet à Paris dans un bar, il m'a dit ce qui te manque, c'est d'apprendre à faire les chœurs. Parce que j'ai commencé tout de suite à être leader. D'accord. Et il n'avait pas tort parce qu'il y a des choses dedans, il y a des techniques de chant que tu développes avec les chœurs que tu ne peux pas avoir en tant que leader. Et c'était juste ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai été avec lui pendant presque 2 ans, aléatoire, parce qu'en même temps, je faisais Kirikou et Karaba. Donc, quand je pouvais, j'allais chanter avec lui. Et par la suite, j'ai été avec Oumou et ça a été une très grande école. C'est pourquoi ce sont mes mentors. C'est vrai qu'ils ont été très bons. Quand on écoute aujourd'hui ce que vous faites, vous envoûtez le monde. Qu'est-ce qui vous inspire pour aller dans ce type de rythme folk un peu, avec cette voix envoûtante? Qu'est-ce qui vous inspire pour que vous fassiez ce rythme, ce type de rythme? L'inspiration de base est de mes origines et du Mali, et notamment de la région de Ouassoulou, qui est une région dans laquelle la musique est faite avec une sonorité pentatonique, que pentatonique. Et de cette musique pentatonique, je voulais expérimenter de faire la rencontre entre la musique pentatonique et la musique diatonique et voir comment les deux pouvaient se rencontrer. Ce qui n'est pas facile parce que je n'ai pas eu d'exemple des gens qui l'ont fait dans le passé. Ça pouvait être très vulgaire et comme ça pouvait être pas accepté du tout. Et voilà, un tout petit peu. Il y avait l'envie d'essayer une expérience. Puisque je suis partie du Mali depuis 12-15 ans, donc tout ce que j'ai appris à l'extérieur, je voulais apporter ça
à ma musique traditionnelle que j'ai en moi instinctivement. C'est très bien parce qu'on est vraiment fan de ce que vous faites et on sait que vous allez aller loin avec ce parcours-là, bien entendu. Et est-ce que vous avez un projet prochainement, d'autres dates peut-être, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui aimeraient peut-être vous suivre? Disons qu'on est en tournée depuis l'été dernier. On est à 12 ou 15 dates par mois et surtout le mois de juillet, on joue tous les jours. On rentre, on est parti depuis... On est parti depuis le mois dernier et on est passé à la maison genre 2-3 fois et pour une nuit changer les valises et repartir. Non, on vit sur la route. Vous avez une vraie vie de saltimbanque, oui. Avec mes musiciens, c'est une famille maintenant. On fait tout ensemble et c'est une grande famille. On essaye de défendre cet album, mon dernier album qui vient de sortir, qui est sorti en octobre dernier. Donc on est sur la route pour la défendre. Super. Dans toute l'Europe et bientôt on va partir aux États-Unis pour une tournée. Avec ce qui se passe en ce moment au Mali, est-ce que vous projetez d'y retourner? Est-ce que ça vous inspirera pour peut-être d'autres chansons? Certainement, j'ai au moins 5-6 chansons composées sur ça, sur tous les plans, sans être agressive. Mais c'est juste triste ce qui se passe dans mon pays parce que je le répète à tout le monde, parce que comme la situation n'est pas assez claire, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais le nord, c'est moi, le sud, c'est moi. Et la séparation est difficile. C'est juste inimaginable pour les Maliens, parce qu'on pense que les Touaregs sont... Quand on dit le nord, on pense que c'est que des Touaregs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, dont Alfar Katouré, qui a Niafungé, qui se trouve dans le nord. Et le village est dévasté pour une centaine de personnes. On a laissé des étrangers, d'autres gens, d'autres corps rentrer dans cette culture, dans un lieu aussi sacré, aussi fort, riche en tout. On espère qu'avec un peu de chance, les choses vont s'améliorer, on espère. Et on prie tous pour le Mali. Merci beaucoup Fatoumata, c'était un réel plaisir. Y a-t-il un site internet où on peut retrouver ton actualité? Oui, il faut mettre Fatoumata Diawara sur Google. Je sais que c'est pas facile à retenir, mais... On laissera le lien. Voilà. Et sur Google, il y a tout. Du coup, vous trouverez des liens pour la vidéo, pour tout. Les sites MySpace, Twitter, Facebook. Merci beaucoup. Et puis, bon festival. Nougat artistique en partenariat avec Direct Soirée. Nous sommes avec Anitra qui sort tout juste de scène. Une prestation épouse de plante. Bonsoir Anitra. Bonsoir. Vous êtes une artiste malgache d'origine et qui nous fait des sons un peu de l'océan Indien jusqu'à l'Amérique latine parce qu'il y a un peu de sonorité. Présentez-vous pour nous, ceux qui ne vous connaissent pas encore, Anitra. Oui, donc en effet, je suis une chanteuse d'origine malgache, comme vous l'avez dit. Mais en fait, j'ai beaucoup vécu plus en Europe qu'à Madagascar. Sauf que là, en ce moment, donc, j'habite à La Réunion. Voilà pourquoi je défends un tout petit peu tout ce qui est musique de l'océan Indien. Brésilienne ou même des Caraïbes, parce qu'en fait, au tout départ,
j'étais inspirée par la musique folk, puisque j'appartiens à la génération de Bob Dylan. Bon, j'étais très jeune, hein, mais bon, Bob Dylan, Beatles, etc. Et puis, donc, pour moi, avoir un style particulier, ce n'était pas possible, puisque j'avais tout ça dans la tête. Voilà. Et parmi mes idoles, bon, il est vrai qu'il y a John Baez, et puis par la suite, il y a eu César Évora. Donc, vous voyez le... Vous avez d'ailleurs rendu hommage hier, je sais, donc beaucoup d'émotions, je suppose. Oh oui, oui, malgré le fait que je n'ai joué qu'une, chanté qu'une chanson, mais toute la préparation, parce que j'ai déjà raté deux rendez-vous avec elle, et en tout cas, je me dis celui-ci, voilà, lui rendre hommage, je pense que c'est... Il fallait partir trop vite. trop vite, hein, surtout que son parcours quand même est extraordinaire. Hein. Et elle nous a ouvert cette voie-là, je ne sais pas si un jour je serai aussi célèbre qu'elle, mais... Voilà, en tout cas, ça nous permet de rêver, d'espérer. D'espérer, voilà. Oui. Un univers à travers la voix et vos compositions, parce que vous êtes auteur-compositeur, rappelons-le. Oui, tout à fait, auteur-compositeur. Voilà. C'est toutes ces richesses de culture en fait qui vous inspirent, si je comprends bien. Voilà, voilà, tout à fait. Et puis comme tout compositeur aussi, nous sommes toujours affectés par ce que nous vivons, donc je ne pouvais faire autrement que de parler de la misère à Madagascar et puis de toute cette souffrance qu'il y a aussi sur cette terre, tout simplement. Donc, voilà, moi je ne suis pas franchement engagée, mais je peux parler de la pollution, parce que pour moi la planète aussi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc il y a l'environnement, et dans l'environnement il y a la planète, il y a les hommes, les humains qui sont dessus, les animaux, donc voilà, c'est moi. J'ai appartenu à un groupe qui s'appelle Lolo Shintan, et donc on a un album en commun, et puis j'ai pas mal de compilations, enfin il y a pas mal de compilations sur lesquelles j'apparais, notamment les voix de l'Afrique, hein, donc voilà. Et là, bientôt, je l'espère, en 2013, le troisième opus va sortir, donc voilà. On l'attend impatiemment. Quels sont vos prochains défis dans les jours qui viennent, les mois, à part ce troisième album en préparation, bien sûr? Alors là, en fait, si je peux me permettre de remercier quand même la région de La Réunion qui me soutient. Et puis, il y a aussi le pôle, le PRMA, c'est-à-dire Pôle Régional de la Musique Actuelle. Ils m'ont vraiment ouvert la porte là depuis l'année dernière en me présentant au marché de l'océan Indien. Et puis, et de ce fait, en fait, en vivant à La Réunion depuis 7 ans, je n'ai pas eu tout de suite l'opportunité d'être sur les scènes réunionnaises. Et alors que là, ça y est, ça commence. Donc ce qui fait que, à mon retour d'ici, je dois donc je vais enfin chanter dans ma ville, où il y a donc la grande salle de la ville.
Et c'est quand même un challenge pour moi parce que, effectivement, j'ai toujours eu mon public qui me suit partout, mais dans des moments intimistes, c'est-à-dire chez moi, puisqu'on a une structure qui fait qu'on peut accueillir une centaine de personnes. Mais là, c'est vraiment la grande salle. Alors, est-ce que ce public va venir ? Je souhaite aussi que la ville où je vis, ce qui est le tampon, viennent quand même ouvrir cette arde. Voilà, c'est vrai. Je pense que ça se fera parce que les gens sont assez curieux et en même temps. Je pense, voilà. Mais à chaque fois, si vous voulez, il fallait ce temps-là. C'est pour ça que quand je parlais de Cesaria Evora, maintenant j'ai quand même passé plus de la moitié de ma vie sur Terre et je me dis, il faut quand même que maintenant, j'ai un peu on va pas dire le même parcours, mais qu'au moins comme je puisse profiter des 10 dernières années pour toucher un maximum de monde et apprécier grandement cet art. Tout à fait, voilà. Alors, comme influence, je sais qu'au niveau des rythmes, je m'y connais peut-être mal. Je sais qu'il y a le Maloya réunionnais et le Sega mauricien. Et puis il y a le Chaleg malgache, voilà. Donc. Influences font partie de votre répertoire finalement. Oui, bien sûr, parce que bon, on peut pas non plus ne pas utiliser justement ces trois influences-là et qu'on essaie de mélanger avec les autres cultures. Hein. Mais c'est vrai que puis ça dépend, je peux faire des concerts où vraiment c'est pratiquement acoustique et on revient vraiment dans le. Si vous écoutez mon CD, d'ailleurs, c'est un peu ça. Après, ça dépend des manifestations. Je peux aussi avoir un répertoire. Enfin, pas un répertoire, ce sont les mêmes chansons que je vais chanter de façon jazzy. Donc voilà, et je m'adapte à la scène présente. Voilà. Ouais, avec Ajar, on a vu, donc. Je veux dire, il fallait quand même quelque chose qui bouge, sachant qu'il y a un matin. Il y a eu de l'émotion, un peu de tout. Donc on a vraiment voyagé en fait avec Anitra. Où est-ce qu'on peut retrouver les disques éventuellement ou un site internet? Sur mon site effectivement ancha.com, donc il y a toutes les informations puisqu'on peut commander mon CD sur Amazon, hein, donc voilà. Et puis donc dans un deuxième temps, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça pour hélas, on va dire, mais en même temps, c'est bien. C'est un disque autoproduit, hein, donc voilà. Le temps qu'on se renfloue un peu avant de passer la main à la maison de disque, je pense que c'est nécessaire. Donc, voilà. Donc dès que j'arrive, je reste encore un petit peu en France, en fait. Et à partir de fin août, ça y est, donc je suis sur les scènes de La Réunion déjà. Et après, donc en Australie, en décembre. Alors, on devait aller au Brésil, mais l'Australie a insisté pour que ce soit cette année. Donc, ça sera l'Australie, voilà. Et après, il y aura aussi des concerts, mais à Madagascar, de proximité, Maurice. Et après, l'été prochain, 2013, c'est la grande tournée aux États-Unis, qui me rappelle aussi, puisque, voilà, je n'ai fait que la côte Est. Et là, on va faire la côte Ouest. Et qui est une démarche assez intéressante parce que je ne vais pas faire que des grandes scènes, je vais surtout aller dans des écoles. Donc voilà, parler de Madagascar, parler de la culture africaine et voilà. Un très beau projet, on vous encourage de tout notre cœur et bonne continuation dans toutes ces activités. On vous suivra toujours. Hein. J'espère bien. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce moment et à très bientôt, Anitra. À très bientôt, au revoir. Et nous, on se retrouve sur nougettv.com pour la suite de Festival Africa Jar. Toujours au Festival Africa Jar et nous retrouvons Sembadou, l'artiste qui vient de nous faire un show incroyable au bord du Lot. Alors comment ça se passe après ce show depuis du Nord quand même? D'abord parlons de ce qui est encore plus, qui nous a plus motivé encore. Mm-hmm. Parce que
la force de voir encore le public autour de nous, ça nous excite. C'est vrai. Et ça nous a mis tellement dans notre bain que voilà quoi. Et voilà, on a donné, on a partagé avec le public, et voilà, on a donné ce qu'on pouvait. Et pour nous, c'est très très satisfaisant. Ceci dit, c'est deux mains qui se lavent. On ne peut jamais prendre un caillou avec une seule doigt, quoi. Donc, pour cela, on est heureux, on est satisfait. Sembadou, artiste burkinabé, qui a fait pas mal de scènes, qui a commencé en tant qu'instrumentiste, si je comprends bien. Bien sûr, oui. Plein d'instruments, hein, je crois. Je suis multi-instrumentiste, percussionniste à la base. Alors, après, je suis passé dans tout ce qui est guitare, balafon, goni. J'ai joué une quinzaine d'instruments, quoi, en fait. Donc voilà, voilà exactement. Donc je me suis adapté à ma guitare. Et, en fait, je me suis collé à ma guitare et ma voix. Donc je ne me plains pas et je suis quand même aussi très très heureux de pouvoir participer à ce festival Africa Jazz. Oui. Ben aussi, bon, je vais vous dire une chose, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de me poser comme question, puisque j'ai fait la découverte en fait à quelque part sur le net que Sembadou, c'est les... diminutif de quoi même je ne sais plus encore, mais c'est pas ça. Sembadou, en fait, Sem, ça veut dire pied. Ba, ça veut dire gros. Oui. Et Dou, qui veut dire village. D'accord. Donc, c'est le groupe Sembadou. En fait, ça veut dire que Sembadou, tout court, c'est un village. C'est le village de ma mère. Vu que j'aime ma mère, vive la maman. Bravo! Du coup, vive les femmes en général. Donc, j'ai donné ça quoi, en fait, comme nom pour faire plaisir à ma maman et à toutes les femmes du monde. Ah, c'est très très aimable parce que c'est vrai que là, vous lui rendez hommage parce que vous a donné la vie et je pense ce don qui est le vôtre en tant qu'artiste. Ben oui, je dirais sans la femme, il n'y a pas de vie. Quoi. Moi, j'ai toujours dit ça. Qui veut le croire, qui veut pas, le croit pas. Qui veut pas le croire, le croit pas. Mais sans la femme, il n'y a pas de vie. Hein? L'homme, la femme. Hein? Donc, c'est pour cela que je disais que c'est des mecs. Qui c'est là. En plus, philosophe. On va apprendre pas mal de proverbes. Non mi mai corire di mondo Falla falla Quando io do babbo de qui Tu a o jamila Parla fi mamma Parla di donia lì Sembadou, alors je sais que dans toutes vos sonorités, il y a beaucoup de folklore, madengue, mais qu'est-ce qui a fait que vous rajoutiez du reggae à ça? Parce qu'il y a de très très belles chansons en reggae, un peu mélangées. Oui, mais ben, aussi, comment on le dit, je chante le reggae. Pourquoi je chante le reggae? En fait, ça arrive souvent quand dans les spectacles, quand on me voit avec des druides, des locks, la plupart se disent que ouais, ben, ce monsieur ne fait que du reggae. Et moi, je me suis dit qu'il n'y a pas que du reggae, quoi. J'aime bien le reggae. Mm-hmm. Hein? J'ai préféré quand même partager avec les autres aussi, pas que les fans du reggae. Mm-hmm.
n'y a pas que le reggae. Donc moi, je fais du reggae, je fais du salsa. Alors, j'ai fait de l'afrobeat, j'ai fait de la musique mandingue, et j'ai fait du traditionnel. Et j'ai fait de la musique dafi, qui est ma source. Ma mère est dafi, mon père est dafi. Burkinabé, je suis, voilà, exactement, et je suis burkinabé. Donc, c'est tout ça, ça qui m'a poussé. En fait, j'ai participé quand même, j'ai joué d'abord avec mon oncle qui m'a beaucoup appris aussi. Big up à lui, qui n'est pas parmi nous, mais c'est très très content aujourd'hui de parler de lui, quoi, même s'il n'est pas parmi nous. Il y a l'esprit qui est là. Absolument. Voilà, c'est son esprit qui m'a suivi jusque là, parce que il m'a transmis, il n'est pas parti avec, non. Il m'a donné une partie. Il faut que ça continue. Voilà, et moi je suis heureux avec ça, voilà. Alors c'est vraiment un vrai héritage de famille. Exactement. Et on vous souhaite énormément une longue route, quoi, beaucoup de succès dans ce long chemin. Merci, merci, merci à vous également. Et tout ce que je pourrais aussi dire, je ne peux pas finir de vous remercier. Voilà, et c'est-à-dire que franchement, on ne s'amuse pas avec les journalistes. Les journalistes, qui ne veut pas voir les journalistes, tu ne t'aimes pas toi-même. Il faut aimer les journalistes, parce que car ce sont eux qui nous amènent sur des bonnes bases. Ce ne sont pas mes ennemis, hein. C'est mes amis, vous êtes mes amis. Toutes les journalistes. Merci. Du monde entier, Sembadou vous dit. Merci beaucoup à tous les médias. Alors... est-ce qu'il y a, au niveau des contacts, pour acheter un CD ou pour avoir l'actualité de Sembadou, il y a quelques infos? Exactement, oui. C'est le 06 68 90 88 81. Et encore, le deuxième contact, c'est le 06 59 89 15 83. Et vous pouvez aller sur le site aussi, aller voir Renge Production, là. Tout est là. C'est bien. Renge Production. Et puis, vous pouvez taper aussi Sembadou. Vous aurez un MySpace avec des musiques à écouter, des photos et toute l'actualité de cet artiste très intéressant. Merci beaucoup pour ton hospitalité. Je me permets de te tutoyer tellement tu nous mets à l'aise. Et un dernier message pour nos nougatistes. Je souhaiterais que ce festival aille en avant, car ça nous unit, ça nous fait partager les idées. Sans idées, on n'avance pas. Ça nous fait partager la joie. Sans la joie, il n'y a pas meilleure vie, quoi. Donc, ça nous unit. L'union fait la force. Si on continue comme ça, je crois que quand même le monde sera heureux. Merci Africa Jark et merci pour tous ceux qui soutiennent ce festival, tels que vous, les journalistes, les médias. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Non, mais merci beaucoup et on va peut-être vous retrouver sur une prochaine scène bientôt, parce que je pense que vous êtes en tournée aussi en ce moment. Bien sûr, là, j'ai fini juste mon deuxième album avec le fils de Salif Keita, Yacouba Keita, qui est basé sur Avignon. Il a fait que l'étude du son, voilà, c'est son truc, quoi. Le père il est star, musicien grand, et le petit, l'enfant il est quand même sérieux dans son boulot et moi je le respecte. Voilà, il est partant quand même pour une confirmation pour mon album qui va voir le jour bientôt, quoi. Donc big up. Big up. Merci beaucoup, Angie. À très bientôt. Inch'Allah, Angie. Merci.